Yop tout le monde, c'est Coco, j'espère que vous allez bien, et si ça n'est pas le cas, j'espère pouvoir changer cela durant cette vidéo. Aujourd'hui, épisode 3 de Donjon Challenge, donc on affronte, ah il s'est caché le vilain, on affronte les jolies petites fesses du meuble éponge, avec toujours la full team, la Donjon Challenge team. Alors il y a mon Feka qui va bientôt up niveau 51, mais ne vous inquiétez pas, hein, je ne l'ai pas précisé dans les vidéos précédentes, mais bien évidemment, je ne monte plus les stats. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai up, je laisse les stats comme telles. Donc la seule différence qu'il y aura entre moi et moi au niveau 60, ça sera juste les PDV que je gagne avec mes niveaux. Voilà, donc ça je peux pas le changer. Mais sinon, je ne change pas de stuff et je n'augmente pas mes statistiques. Voilà, donc les petits succès sont... Versatile, donc ne pas utiliser deux fois la même attaque dans un même tour, et Anachorète, donc c'est ne pas se mettre à côté, ouais, ça. Les adversaires ne doivent pas terminer leur tour sur une cellule adjacente à celle d'un allié. Ah, les personnes... D'accord, donc on ne doit pas finir à côté de nos potes, ok. Et ensuite, un score de 45. Donc 45, je crois qu'on avait fait ça. Et ça? Non, c'était pas ça. C'était ça. Non, c'était ça. Ouais, mais c'est pas terrible, ça me plaît pas trop, ça. 2 PM. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc, 45. Et on lance, c'est parti. On ne peut pas. Votre alignement ne vous permet pas de lancer ce combat? Il est sérieux? Ah, ah bah oui, il est déjà lancé. Ah, le coquin. Bon, on va attendre qu'il revienne. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, on a nos idoles. Ok, on va se remettre en mode... Oula, on va se remettre en mode normal. Voilà. Donc, on a les idoles. On va mettre... Donc, on va faire rentrer tous les persos. Donc, hop, le Xel. Ensuite, Riku. Voilà. Ensuite, les cicatrices. Voilà. Ensuite, Wendy. Hop. Nickel. Et ensuite le Feka. On est un peu limite time là quand même, mais bon, ça passe. Voilà. Alors on va échanger les places avec hop là, entre le Feka et l'Ossa. Voilà, nickel. Donc on se remet sur, voilà, donc ne pas utiliser deux fois la même attaque. Ok, alors on va aller par là. Donc on doit pas finir à côté d'un allié et on doit pas utiliser deux fois la même attaque. Donc on va se protéger avec un cadran. On va se flou pour au cas où on a besoin de PA, et on passe notre tour. Ensuite avec Riku. Oula, il tape fort ce coin. Il tape très très fort. Donc on passe un vie. Voilà. Et on va venir poser un piège, genre vraiment en plein milieu, très grossièrement. Voilà, on va voir, peut-être quelqu'un tombera dedans. Ensuite, avec Wendy, on va venir charger. Hop là. On va venir charger notre pupu. Hop, on va mettre un peu des dégâts encore. Nickel. Ah, ne pas finir à côté. J'ai failli forer le Anachorète. Donc, hop, voilà. Donc, pas oublier. Anachorète et. Et versatile, voilà. Donc pour le moment on est bon. Anachorète et versatile, c'est bon. Ok. Alors est-ce que je peux le tomber là? Ouais, donc je le tombe. Tac. Ensuite on va donner les PA, on va donner les PM. Voilà. Et ensuite on va se redécaler. Nickel. Alors les cicatrices. Putain, il tape de loin. Ah là là, il a invoqué un. Ah, je vais prendre trop cher. Ah là 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 là, il a ce Roy Mops là, il est. Je l'aime pas, décidément. Je l'aime vraiment pas, le Roy Mops. Je vais essayer de me démerder pour le buter assez rapidement là-bas. Je pense qu'avec la pupu, je vais le faire sauter parce que là, il va m'énerver. Donc, je vais rester comme ça. Et avec le Feka, je vais venir poser des boubous parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, hop, boubou. TP, on vient se mettre là, et hop, on vient taper.
Ah, il a le renvoi le dommage. Oh mon dieu, je suis vraiment un abruti. Il a le renvoi dommage pour combien de tours? Oh là là, encore deux tours. Oh là 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 là. Bon, bah nous on va faire le ménage en attendant, qu'est-ce que je vous dise. Bon, je pense pas qu'il va réinvoquer, donc je vais buter. Voilà, je vais buter le pichon clown. Parce qu'il bah, il tape fort hein, quand même le con. Et je vais revenir me planquer, voilà, donc. Je me suis pas collé à un allié, j'ai pas utilisé deux fois la même attaque, jusque là tout va bien. Hop, on va venir poser genre par là, voilà, et ensuite on va venir taper. Tac. Ouais, je sais, je me rends visible, mais c'est pas grave. Ensuite, bah je pense qu'avec la pupille en fait, on va faire tomber le meuble éponge. Ça sera plus simple. Voilà. Hop, et on va taper. On peut tomber quelqu'un ou pas? Non, on peut tomber personne, mais bon, on va taper, hop, voilà. C'est parti. Ensuite, avec Célestin. Avec Célestin, qu'est-ce qu'on peut faire? On va venir donner PM. On va donner les PA. On va mettre une petite claque. Légère, comme ça. Pouf, derrière la tête. Pouf, petite claque dans la nuque. Les cicatrices. Ouais, bon, on va venir tomber celui-là. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Tac, voilà. Donc, j'ai toujours pas utilisé deux fois la même attaque. Tout va bien. Et je me suis toujours pas collé à un allié. Donc, tout va bien également. Donc, je vais venir taper un coup le meuble éponge. Je vais venir finir le pichon. Et je vais me poser une glyphe autour au cas où il vient me coller. Vas-y, colle-moi. Les animations sont trop drôles. Il a vraiment une sale tête, le pauvre. Ah là là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Bob l'éponge? Il a toujours son renvoi de dommage. Eh ouais. Ouais, ça m'embête, ça. Bon, bah, je vais passer, écoutez. Hein, j'ai rien à faire, de toute manière. Avec Riku, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Allez, avec Riku, je vais venir... Bon, allez, je vais venir en poser encore. Hop là. Voilà, je vais venir en poser un autre. Et puis, on va faire genre... On va reculer un peu, on va se mettre là, je sais pas. Non, on va revenir là, voilà. Hop, bon, on va voir. Bon, je peux pas le tuer, parce que si je lui tire dessus, là, je me renvoie tous les dommages. Oh, c'est dommage, je le tue, quoi. Oh. Ah, c'est décevant. C'est ultra, ultra décevant. Vous avez pas idée. Bah ouais, je vais taper comme ça, voilà. Voilà. Ensuite... Ouais, je vais donner PM. PA. Je vais crapaud. Voilà. Ensuite, cicatrice. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est super bien ça. Donc, il a plus le renvoi de dommage. Donc, si je fais ça, 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 et ça, là, j'ai tapé une fois, c'est bon. Ensuite, ah, je suis taclé. Oh le con. Oh le con. Alors, ne pas utiliser deux fois la même attaque. Hop, on va typhon. Et ensuite, on va lui mettre un coup de pelle. Ouais. Voilà, donc je bute le meuble éponge. Tout va bien. Là, avec. Avec le Xel, je peux venir. Oh, je peux venir le finir tout simplement. Voilà, je voulais faire un truc stylé avec les pièges et tout, mais. Allez, on le tombe. Voilà. Et tac. Voli voilou.
Donc 7 minutes de combat, alors comme d'habitude on va attendre un petit peu, parce que c'est un peu long là. Oui, je déverrouille tout, vous voyez pas sur le côté parce que c'est sur mon second écran, mais oh là là, ça défile. Donc on a le donjon ensablé, le versatile, la nacorette et le score 45, on accepte tout, et voilà. Bon, et bien pour les duotages, on se retrouve tout de suite, parce qu'il faut que je refasse le donjon, donc on se retrouve tout de suite à la dernière salle, à tout de suite. Tout de suite. Et nous revoilà pour les duotages. Donc nous sommes dernière salle. Encore le meuble éponge avec sa petite tête de débile. Très mignon. Donc en duotage, j'ai choisi donc les compositions suivantes. Donc Feka Xelor, Sacrieur Osamodas et Sram Kra. Donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que pour le moment, ça devrait passer sans trop de soucis. Donc, on va lancer. Je sais pas qui c'est. Donc, voilà. On va lancer. Voilà, on va... Donc, c'est le Feka que je dois mettre avec, c'est ça? Voilà, ok. Voilà, voilà. Donc, Feka. Hop là. Exelor. C'est lancé. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais accélérer les duotages comme je le fais d'habitude. J'espère que vous continuerez à me suivre, à suivre cette petite aventure qui va aller en se compliquant petit à petit. Et sinon, en attendant, portez-vous bien et puis ciao ciao! We will always be, and I can't get over you.